Yo tout le monde, c'est Guilera, j'espère que vous allez bien les amis, et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, oui, il y a un nouveau copain dans la maison. Alors pour tous ceux qui me suivent sur Twitter et sur Instagram, vous le savez déjà, hein, c'est plus une surprise, il y a un nouvel habitant dans la maison qui s'appelle Pearl. Alors vous allez le voir plus tard en vidéo, pour le moment il se repose, donc je veux pas le déranger ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui du coup on va unboxer la Miaou Box du mois de juin les potes, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oro n'est pas encore à mes côtés pour le moment, je le laisse tranquille parce qu'il est avec Pearl et Pearl est tout petit pour le moment, donc je le laisse tranquille, mais je suis sûre qu'à l'ouverture de cette box il va arriver. Comme vous pouvez voir, la box est déjà amochée juste là. Oreo a ouvert le contenu, vous me croyez, vous me croyez pas, Oreo a ouvert le contenu ce matin. En fait il a poussé la box par terre, il l'a ouverte et il a tout sorti ce qu'il y avait à l'intérieur, cet enfoiré. Donc je suis dégoûtée parce que du coup je me suis spoilé forcément ce qu'il y a, le contenu qu'il y avait à l'intérieur, j'ai le seum, mais bon, on va faire comme ça, pas le choix. Donc la Miaou Box c'est quoi? C'est une box 100% conçue pour les chats. Il y a aussi la Woof Box qui existe, d'ailleurs il y a un petit code promo qui est disponible pour la Woof Box et pour la Miaou Box si tu veux, mon petit Michel, qui est juste en dessous dans la description, n'hésite pas si t'es intéressé. Donc ça contient à l'intérieur des produits en rapport en l'occurrence là avec nos matous, donc on va voir ça sans plus tarder. Donc du coup, pour pas trop se spoiler, pour vous surtout, je vais... Attendez, j'ai vu un truc passer. Oreo, c'est toi? À moins qu'il y ait un fantôme. Attendez, j'ai une technique. Regardez-moi ça, cet enfoiré, comment il l'a éventré. Regardez-moi ça. Donc, ce sont des croquettes. Des petites croquettes Friskies. Ah, oh, ce sont... des petites croquettes... croquettes, tout à fait. Des croquettes Friskies. Bœuf et poulet, du coup, aident à soutenir les fonctions vitales pour une bonne digestion, nutrition complète et équilibrée. Alors, attention. Ah, ça détale comme un lapin, là, hein. C'est pour qui, ça, mon loulou, qui vient? Oui, dis coucou à tout le monde. Regardez-moi le démon. Mouah, mon loulou, bah alors. Oh, t'as entendu tout. Oh, c'est qui, ce matin, qui a ouvert la boîte, hein? Espèce d'enfoiré. On en parlera après la vidéo, on en parlera après la vidéo. Et du coup, bon, bah, on va lui faire goûter un petit peu, quand même, hein. C'est pas sympa, sinon, hein. Allez, tiens, loulou, tu vas goûter et... Ah, je crois entendre Pearl. Regardez, j'en ai une. Tiens. Là. J'espère qu'il va bien aimer. Ah, je sais pas si vous l'entendez manger. Ah non, il est pas là, j'ai cru qu'il était là. Regardez, vous avez vu comment... Là, il y a Pearl qui s'est mis à pleurer parce qu'il est en bas. Et du coup, vous avez vu comment Oro détale en mode « Oh putain, mais je viens t'aider, j'arrive tout de suite !» Donc, on va les laisser tranquilles. Donc, première chose, juste ici, donc des croquettes Friskies, une bonne boîte. Une très bonne boîte. Moi, comme je vous avais dit, Oreo a des croquettes spécifiques pour lui. Et Pearl en a des spécifiques pour lui aussi. Là, c'est un bébé pour le moment. Je vous ferai les petites présentations après. Mais voilà, en tout cas, des croquettes Purina Friskies. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, si elles sont cool. Mais en tout cas, Oreo a l'air de kiffer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Love Story. Alors ça... Attendez, ça j'en ai pas. J'en ai pas, mais je sais qu'il kiffe parce qu'en fait, j'avais acheté un arbre à chat et il y avait un système comme ça. Le truc a duré 2 secondes. Hein. Il a duré 2 secondes, mais ils avaient l'air de kiffer. Enfin, Oreo avait l'air de kiffer et Pearl adore les souris aussi. Donc je pense qu'il peut kiffer. Donc c'est une plateforme avec une souris, vous savez, et un ressort là. Donc on va enlever ça tout de suite. On va le couper et puis on va leur faire essayer. Ah ouais, si, il va me voler dessus. J'ai trop peur du coup. Est-ce que t'aimes bien ça ou pas? Regarde. T'aimes bien ou pas? Ou c'est pas ouf? Oh, ça a l'air d'être ouf, hein, parce que regardez ses yeux. Ah, il kiffe! Il kiffe! Allez, mon loulou! Oh là 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 là. Ah, si, il kiffe. Il aime bien. Bon, après, je sais que c'est difficile de le voir, parce que ton noir sur noir, c'est pas évident. Et on va voir si, du coup, ça fonctionne correctement ou pas. Comme ça, voilà. Comme ça, on a un visu. On peut continuer de parler, mais on voit ce qui est en train de se passer derrière. Et du coup, c'est trop drôle. On va laisser comme ça, ça sera très bien. Du coup, ensuite, on a un autre jouet de nouveau. Cette fois-ci, un petit poisson. Un petit poisson, bah, d'ailleurs, que Oreo a déjà entamé, cet enfoiré, vu qu'il a ouvert le paquet. Cet enfoiré. Donc du coup, un petit poisson juste ici. Un autre jouet. On va l'ouvrir sans plus tarder. On voit ce petit jouet. Hop, on va le récupérer. Et on essaiera de le faire tester tout à l'heure aux copains. Voir s'ils aiment bien ou pas. Hop. Mais en tout cas, Oreo, il kiffe. Là, le truc de la souris, c'est... il en a jamais eu. Enfin, je vous ai dit, il y en avait un, mais genre, il a duré 2 secondes, le truc. Parce que c'était pas très quali, c'était pas trop fait pour... voilà, je pense que ça devait pas trop être fait pour un chat. Et là, ça... Attendez. Oreo? Ah! Vous voyez? Il arrive. T'aimes bien ou pas? C'est juste pour savoir. Ah! Ah, il aime bien. Ah, tu sais, c'est le truc que t'as démonté ce matin.
Tu sais, quand je suis descendue pendant le petit déjeuner, j'ai vu que le chat que j'aime tant, que je nourris, que je vaccine et dont je m'occupe avec amour, tu sais, ce fameux chat qui a bousillé mon colis de bon matin, Henri... Bah, c'est bon, il le kiffe. Voilà, je laisse le truc parce qu'il va me voler dessus, il va m'arracher la moitié du visage. Donc du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit fascicule, le Miaou Mag avec ce que ça comporte à l'intérieur, comme la fois dernière. Tous les produits qu'on a dans la box sont listés à l'intérieur. On a aussi des petites informations sur le chat, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des sticks. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sticks. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des stickies, Turkey and Lamb. Oh, bah c'est bien ça. Mais c'est pas mal, je sais pas si je peux les donner à un petit... Oreo, je veux te donner un truc, aliment complémentaire pour chat. On va voir. Viens voir, c'est pour qui ça? Oh là là, il va kiffer. Ah, quand il voit la box, c'est pour ça qu'il l'a ouverte ce matin, parce qu'il savait que c'était sa box. Enfin, sa box, maintenant. Viens. Regardez, oh, vous allez voir. Oh, regardez qui est là, derrière. Le nouveau venu. Le nouveau venu est ici. Oh là là, vous allez le voir. Vous allez pouvoir le voir, eh. C'est pour qui ça? Attendez, par contre là il est en train de me faire un trou. Voilà. Je laisse descendre. Tada! La créature, bon il a peur, je vais pas l'embêter longtemps. Je vous le présente vite fait. Il s'appelle Pearl, c'est un mâle qui a 2 mois et demi. Oh mon loulou, t'as 2 mois et demi. Il va avoir 3 mois. Donc c'est un Maine Coon. C'est un Maine Coon. Mon loulou, hein. Bon, je le laisse un petit peu. Bon, il a un peu peur. C'est compréhensible, je veux pas l'embêter. Il est encore en train de découvrir son environnement. Il est là que depuis très peu, hein, très peu de temps. Il est là que depuis... même pas là, ça va faire 6 jours. 6 jours à ce moment-là, où vous voyez la vidéo, ouais, ça fera 6 jours seulement qu'il est là. Le bureau, il a pas encore pu vraiment y aller là. C'est que depuis aujourd'hui qu'il monte, ça y est, à l'étage. Sinon, il voulait pas monter à l'étage et tout, il aimait pas trop. Donc c'est pour ça, je le laisse tranquille par rapport à ça. Mais voilà, c'est Pearl, n'hésitez pas à aller checker Instagram. Il y a tout plein de photos, si vous voulez, que je peux vous poster là pour le voir. Donc c'est un Maine Coon de 2 mois et demi, qui aura bientôt 3 mois. Et c'est pour ça qu'il est très grand, c'est pour ça qu'il est très grand. Et j'ai toujours voulu avoir un Maine Coon. On voit Oreo qui le tarte derrière. On voit Oreo qui le tarte derrière. Et j'ai toujours voulu avoir un Maine Coon. Je trouve ça hyper badass. Ce sont des chats hyper charismatiques, je trouve. Ils sont magnifiques, ils en imposent comme jamais. Donc du coup voilà, je voulais vraiment un Maine Coon et voilà tout simplement. Donc là le petit Pearl, bon je le laisse tranquille. Regardez qui est de retour déjà. Regardez, je suis en train d'unboxer et il est déjà là quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des fish chicken rolls. Donc avec poulet et colin. Donc on a des petits aliments complémentaires, monsieur renverse tout, des petits aliments complémentaires, vous savez, des petites choses qu'on peut leur donner. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais attendez, il s'est coincé dans mes câbles, attendez, tiens Pearl. Oh là là, mais quelle histoire d'avoir deux chats comme ça dans le bureau, c'est n'importe quoi. Tiens Oreo, viens. C'est n'importe quoi d'avoir deux chats comme ça dans le bureau, c'est ça de bouffe. Pearl d'un côté qui pleure, qui se coince dans mes câbles électriques. De l'autre côté, Oreo qui monte sur mon bureau. C'est devenu n'importe quoi cette vidéo. Cette vidéo, c'est 30 millions d'amis, bonjour. Alors, viens là. Oh là là, grosse larve. Tiens, c'est pour qui ça? On va lui donner. Voilà. Voilà, il redescend. Du coup, alors, des petites friandises qu'on a eu Trixie. Et ensuite, on va terminer avec un dernier produit à l'intérieur. Qui est une petite lotion, alors je ne sais pas ce que c'est, Biogans. Ah, c'est la même marque que celle que j'utilise du coup pour nettoyer Oreo. Vous savez qu'on avait eu il y a 2 mois de ça. C'est un spray pour laver les chats. Et donc là, on a une lotion des coussinets. Mais c'est trop bien. Une lotion pour les coussinets. Oh la merde. Oh non, j'ai pas dû prendre le concept moi. Attendez, ça doit s'ouvrir comme ça, je pense. Ah. Ça sent trop... On essaye de nettoyer les coussinets, Oreo. Il est pas chaud, hein. Il est pas chaud sur le nettoyage de coussinets. Hein. Là, il est vraiment en mode, non mais laissez-moi tranquille en fait. Moi, j'ai bouffé, vous me laissez mes trucs. Par contre, il a tout bouffé. Hein. J'en avais mis un par terre juste pour voir si Pearl allait goûter. Pas du tout, pas du tout. Rien à foutre, rien à foutre. Si vous voulez une vidéo au cas où un peu plus complémentaire sur Pearl, n'hésitez pas. J'en ferai une peut-être. Ah ben, pourquoi pas pour les Sims. Pour quand je vais agrandir la famille des Sims et pour le nouveau DLC Mermaid Île Paradisiaque là, qui va sortir le 21 juin. Pourquoi ne pas rajouter Pearl du coup dans les chats
et en parler un peu plus parce que là, voilà, il avait peur. Je veux pas l'embêter, je suis pas du genre à serrer le chat extrêmement fort contre moi et faire « Oh, regardez comme il est mignon !» et que le pauvre, il soit en mode « Mais je veux partir, en fait. » Je préfère ne pas le stresser. C'est la première fois en plus qu'il voit les lumières comme ça, l'environnement en mode record et tout. Donc je préfère ne pas le stresser, le laisser faire sa petite vie, vous montrer vite fait, vous insérer à la limite des photos que voilà, de le serrer le pauvre et qu'il soit en panique et qu'il se mette à stresser pour rien. Du coup les potes, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur la Meow Box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je regarde s'il reste encore des trucs, mais non. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé du contenu. Je trouve ça vraiment cool pour le coup d'avoir une box qui est 100% pour les animaux. Comme je le disais, ça change des box classiques qu'on peut avoir pour nous. C'est cool d'avoir des, voilà, des box qui gèrent aussi nos petits potes. De toute façon, je vous en avais déjà parlé durant la première vidéo, n'hésitez pas à aller la checker, il y a un petit i qui apparaît juste ici si vous voulez aller voir la première Meow Box que j'avais faite. Et donc comme d'habitude, le lien est dans la description si vous êtes intéressé par la Meow Box ou la Woof Box. Vous avez un code promo qui est disponible aussi. Je ne touche aucune thune en rapport avec ça, attention, parce que je préfère mettre un disclaimer parce que les gens des fois sont tellement de mauvaise foi. Tu demandes juste un code promo à la limite pour ta commu et les gens sont là, ouais, t'en tires de l'argent et tout. Les gens sont hyper de mauvaise foi, des fois c'est terrifiant. Donc du coup les potes, j'espère que ça vous aura plu. Oreo, bah il kiffe de ouf. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner aux multiples réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Merci infiniment à tous ceux qui vont sur YouTube pour moi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.